Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Akorondo John Abba. Yesterday I happened to have traveled to Southwest where I lost my cousin lost child. So when we got there, they brought the child and the people were waiting to visit the child. Then the time came that I stood up to my sister that I want to go and visit the court. And the court was lying on stage. When I got up, as we were waiting, we saw people were outside surrounding. I said to my sister, what is wrong there? Are the people not entering? I wanted to leave. She said, no, let's wait. Maybe they have organized a different ways of waiting. Let's wait for some time. Maybe let the people try to organize themselves. But something told me that I continue. When I got there, I saw my cousin was lying down. She fainted. She was not to breathe. People were even struggling to make her get back. There was no breath. There was no life in him. I stood and said, but what is wrong? Will I cry? But the one lying in the inside, lying there, or the cousin that is lying there, is lifeless. The child, I said, I will not cry. I started meditating. I said, I will not cry. Something came to me that you have anointing water that you brought. And then suddenly it gave me the courage and I stood and meditated. Then I walked there. So people said, she brings food and opens his mouth. I touched him, he was cold. So he told me, you have an empty water. Your man of God came to pray for water you have it with you. You took it with you. I sent my hand inside my back. I took the anointed water, walked there. And then I sprayed the water on his mouth. And then his eyes, immediately, he regained strength. And start crying again. What a wonderful miracle. This is what happened yesterday. Even the wife is here. He immediately reduced strength and start crying. The daughter that was dead. Immediately. She started crying. People were amazed. People could not believe what happened. Clap for Jesus Christ again. The mighty power of Jesus in anointing water. Thank you. Next testimony. Le problème qui m'amène ici, c'était le problème de conception. J'ai fait 7 ans et pendant les 7 ans, j'étais chez le marabout. Donc, chez le marabout et dans des hôpitaux, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. Ma belle-mère que voici m'a amené ici à Kinshi en janvier 2013. Je venais ici là. L'homme de Dieu a prophétisé pour moi et que les marabouts m'avaient déjà découragé. L'homme de Dieu a prophétisé pour moi en disant, ne t'inquiète pas, le problème c'est ton mari, ne t'inquiète pas, tout va aller. Je suis rentrée à la maison et j'ai posé le problème à mon mari. C'est en ce moment qu'il est venu ici là. On a programmé le croisade de Momo. J'ai dit à mon, je suis rentrée, puisque on a programmé le jeûne et on devait jeûner. Je suis rentrée, on s'est entendu pour le jeûne de 2 semaines. À jour moins 5 jours, mon mari se lève avec les problèmes. Il dit, c'est l'église de quoi? C'est l'église de la sorcellerie. Je ne veux même plus te voir là-bas. Et que si tu te lèves encore, que tu pars là-bas, tu pars chez vous, tu n'es plus ma femme. Le lendemain, je lui ai demandé des excuses. Il me dit carrément que tout va bien. J'étais en train d'intercéder dans le cœur en disant merci Seigneur, merci. Et ce n'était pas tout, je ne voulais pas anticiper les choses. Le lendemain qui suivait, jugez-moi un jour pour le départ, je lui ai dit, papa, tu as dit que je ne pars pas à mon mot. Comme tu dis que le problème est fini là, est-ce que je dois encore partir? Il me dit que je t'ai dit, mais il n'y a pas de problème. J'ai dit, merci Seigneur. Nous sommes sur la route de Momo. Mes chers frères et sœurs, ma délivrance a commencé dans la voiture. Arrivé à Momo, tout ce que j'ai déclaré là-bas, parce que je travaillais là-bas, je ne regardais personne, j'ai attrapé la machette, parlé dans, j'ai dit, même ce qui se passait dans ma famille, que je n'étais même pas encore née. Et puis j'ai déclaré tout cela. Et en rentrant, le dernier jour qu'on devait rentrer, nous sommes entrés dans la voiture. Le prophète, le sommeil m'a pris
le prophète est venu devant moi. M'appeler ma fille. J'ai dit, hey, c'est mon père, c'est notre père c'est le père de notre ministère ici. Yeah. Mais il me dit, tout, à partir d'aujourd'hui, tous tes problèmes sont finis. Comme il dit, tous tes problèmes sont finis, mes chers frères et sœurs, je suis rentré le 13 qui suivait. J'étais dans mon village à l'ouest. Je n'ai plus vu mes règles. Aujourd'hui, je sais que je suis à 5 mois de grossesse. Célébrons le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir fait 7 ans chez les marabouts, j'ai fait. Célébrons notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci, merci Seigneur. Parce que grâce, ce n'est pas seulement la grossesse qui m'a donné, mais ma vie a changé. Ma vie a changé totalement. Je rends gloire à Dieu. Merci. Dites-nous comment vous avez fait pour chercher la solution vers les marabouts et combien ils vous ont taxé. Chez le marabout, dans mon village à l'ouest, je suis Bamélékè, plus précisément Bouddha. Dans mon village, il y a 90 marabouts, je reconnais au moins 95. C'est-à-dire que vous étiez bien addicté. Tellement qu'ils m'ont tourmenté la vie, je n'avais même plus confiance à quelqu'un. L'autre a fait même jusqu'à, il me dit que je ne peux pas accoucher, il ne peut plus rien pour moi. Plusieurs. Et le dernier qui m'a traumatisé la tête, il a fait en sorte qu'on est parti dans la rivière faire le sacrifice dans l'eau avec nos sous-vêtements. C'est où je me suis décidé que à faire marabout. Un an dans la maison de Dieu, 7 ans chez les marabouts. 7 ans chez les marabouts. Un an dans la maison de Dieu. Come on, Jesus! Rise up and come on, Jesus.